So everyone could see that logo. Nike Air Flight, but bad was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his fours. See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a coat. Get caught from Genesee Park to Othello. You can clam for those probings with the Velcro, those were not tight. I was trying to fly without leaving the ground, cause I wanted to be like Mike, right? I wanted to be him, I wanted to be that guy, I wanted to touch the rim, I wanted to be cool, and I wanted to fit in, I wanted what he had, America, it begins. On vise le titre, on vise le titre, on vise le titre. C'est parti, on y va. Let's go. Deuxième partie de saison, les gars. On va faire le match contre la Roma direct, premier match de cette deuxième partie de saison. Et après, on enchaîne avec la coupe, c'est-à-dire la Sampdoria direct. Ça va être sympa, mais je pense. Mais je parle dans le vide. Ah non, je parle pas dans le vide. Deuxième partie de saison, les gars. Deuxième partie de saison.
all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yep. 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 Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Alors, bon bah là, on a toujours 4 points d'avance, c'est pas mal. Alors, on marche sur la série A, faut le dire. On marche vraiment sur la série A, c'est un truc de fou. Mais je peux encore la perdre ça, là. Par contre, je pense que la Ligue des Champions, ça... Je veux pas me porter l'œil, mais... Je me vois pas aller en Europa League quand même. Zog il progresse bien, mais j'ai peur que sa limite elle soit trop faible. Après je l'ai pas acheté cher, hein. Je l'ai acheté 5,5 millions, je pourrais toujours le revendre. Bah Cyril, mon skin, c'est quoi ton skin? C'est le skin que... C'est le méga pack que tu m'as recommandé. En fait. Et le skin c'est l'évolutif là. Évolutif je sais pas quoi là. Je sais pas si tu veux... Attends, je te le montre. Je te montre le nom. C'est Evo Dark Skin. Ah. Clean, elegant, simple, and full of information in one. T'as vu mon anglais un peu? Ouf, j'ai des offres. Ouf, ça va rendre. Caldara, ouais, faut que je le vende. Caldara, faut que je vende parce que bon, il. Vous voyez, je vais essayer de faire monter un petit peu les enchères. Ah, ouais, on a pris 2 millions. On a pris 2 millions, hop. Mais Gabia, par contre. Ouais, faut que je le vende. Il est pas assez fort, mais. L'offre elle est pas satisfaisante. Voilà. Paulo Pérez, voilà, c'est limité. Pas rien. Ça demande des renseignements pour Conti. Faut que je me débarrasse de certains joueurs. 25 millions, ils acceptent. Vas-y, pars, frère. Ouais. Conti, j'aime bien, il a une bonne mentalité, Conti. Là, j'ai deux belles offres quand même, ouais. Alors, bon match de Gabriel lors de la victoire. On est combien en U20? On est premier de la Primavera. Et premier assez largement quand même. Capani, c'est un monstre. Merletti, c'est qui Merletti? Il est crade, il est dégueulasse. Bon, on va faire un petit nettoyage des joueurs médiocres. Ils ont trop de joueurs leaders, c'est trop. C'est genre trop.
Allez, je garde des potentiels 3 étoiles parce que. Ouais, le gold skin, je suis pas fan là, j'aime bien, il est. Regarde le gold skin, il est monstrueux, ouais, non, je suis pas fan. Là, j'aime bien, il est sobre. Et pour le Milan AC, tu sais, ville de la mode, ville de. Genre, ils font un truc sobre, tu vois. Genre, la S Roma, j'aurais pris le gold skin. Mais je l'ai en plus, hein. C'est quoi, je l'ai, hein, vraiment. Sur Nantes, il va bien le gold skin. Parce que Nantes, c'est populaire, tu vois. Et il faut de la couleur. Mais le Milan AC, c'est. Faut être les premiers. Sans forcer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est tout un concept, hein. Allez hop, ça dégage. Ouais. Regarde Cyril, comment on se débarrasse de la médiocrité. Ça dégage. Plus de réponses pour le poste de chercheur. Genre j'ai un tournement là. Ouais, je crois que j'ai plusieurs. Elle est belle, mais. Je préfère un truc de nuit en fait. Mais elle est belle, ouais. Elle est belle l'image de San Siro, ouais. Alors bon bah lui on fait signe. Ouais je sais pas. On va le faire signer. Je sais pas combien il m'en faut des chercheurs de sport en U1. Je crois qu'il m'en faut qu'un. Bon bah voilà. On paye au Milan. On paye, hein. On halas. Ouais, y'a pas d'offre, c'est pas. Ça va partir avec le temps. Non, par contre, Calabria, je vais pas te mentir, c'est 40 millions, moi. Hein. Même. On a fait encore augmenter un petit peu le. Mais non je. Mais Léo, mais pourquoi il est. Pourquoi il pourrait pas là? Il m'énerve. Non. Non, j'ai pas vu Cyril, dis-moi, je t'ai pas vu streamer, je crois, ces derniers temps. Enfin, j'ai même pas reçu de notification. Ouais. Pourtant, j'étais un abonné. Bah, dis-moi, t'es recru, Cyril. Much, baby. Allez, on avance un peu. Joueur passe professionnel, c'est Bahar et Kujo. Ouais, s'il part, je m'en fous. Bon, ouais.
affiche de très bons progrès à l'entraînement, le Spurs. Il peut être fort, Piccolino. Ah oui, Affalé Benarfa, tu m'avais dit. Castelotto, bon, je vois. Attends, je connais pas Castelotto. Et Mortimer. Mais Mortimer pour toi c'est pas dégueulasse hein. Pour Nantes en soi c'est pas cradant. Mais tu vois, avec le Milan nous on vise une autre rue de Barcelone. Tu vois. Il refuse The Love 2, ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'il va aller chez les autres. J'espère. Bah ouais, mais faut que. Mortimer, j'ai vu. Ah non, c'est pas celui-là alors que. C'est Neil Mortimer. Ah, Neil, non, bah non, c'est bon, c'est Neil Mortimer. Je pense que t'as rajouté. Et Castel. Ah, Castelletto, je crois que j'ai écrit Castelotto. Castelletto. Ah ouais, pour Nantes, il est solide, hein, j'avoue. J'avoue que pour Nantes, il est pas dégueulasse. Hein. J'admets. Bravo, Cyrilus. Et Affelay Benarfa, ouais, c'est pas mal. Après, ils doivent coûter cher en salaire, quand même. Et le problème c'est que t'auras deux teubés dans ton équipe, hein, fais gaffe. Hein. Ouais, après, ouais, fais gaffe à ça. Moi j'ai un bon con avec Léo là, il est fort. Mais... Qu'est-ce qu'il est con. Oh là là. Il a pas de courage, il a pas de concentration, il a pas de décision mec. Casse les couilles donc du coup toutes ses stats elles baissent. Je vais menacer de Faut qu'il ait un choc cet enfoiré. Non, Cyril, je connais son potentiel. Ouais, peut-être un titre de champion pour le Milan, bah. Cyril, j'en pense quoi de tes recrues? Ouais, je pense que c'est pas mal pour Nantes. Après, ça va être bien, genre un an ou deux. À part Mortimer et Castelotto. Ben Affalay, ça va être bien un an ou deux parce que. Et c'est des recrues. C'est des recrues à double tranchant. Ok. Genre, soit ils te font une saison de ouf et tu fais une saison en sur-régime et c'est bien. Soit tu passes à côté de ta saison. Ah bon, une de mes cibles, ah bon.
Ouais. Il est fort. Ça y est. Mais pour... Non, je vais pas prendre Cavani, frérot. Pourquoi je vais pas prendre Cavani? Parce que j'ai déjà Belotti. Et... Mais Léao, je connais son potentiel, en fait. Genre, j'ai déjà vu dans trop de parties où il est tellement fort, ce joueur. Après, s'il est cool... Après, pour l'instant, genre, il me satisfait en termes de prestation. C'est sur l'entraînement qui me satisfait pas. Il progresse pas, je trouve, en vrai. Mais à terme, je peux réfléchir et prendre... Ah ouais, lui aussi, il se barre, ça c'est pas mal. Mais à terme, je peux réfléchir et prendre un autre à sa place. Et j'ai déjà en tête un joueur. Déjà là, mais si je fais mes ventes là. Le joueur que je veux, peut-être que ça va être pas mal. Hein. Ta fin de saison est compliquée. Ah non, mais de toute façon, la Ligue 1, c'est dur. Franchement, je le vois, là, dans la Paris, ils ont trop de moyens. Hein. Trop de moyens, et je pense que ça bousille un peu les clubs derrière. Kinez... Ah bah, c'est parfait. On peut prendre lui, ouais. Bah oui, il est pas mal, hein. Même si sa réputation n'est pas ouf. Moi, j'ai la flemme de changer mon staff à chaque fois. Toc, toc. Et lui. Un petit gâche. Je crois que j'ai deux places, il me semble. Ouais. Tu t'es passé de la deuxième à la deuxième place en 3 matchs sans victoire. Après, Nantes, faut pas te mettre la pression. Si t'arrives dans les 6 premiers, c'est bien. Faut que tu fasses ça 2 saisons et après que tu vises la Ligue des Champions. Hein. Et franchement, je te conseille, essaye des grosses recrues. Hein. Genre, vise des joueurs. Moi, genre, avec le Paris FC, j'ai eu Cherki. Bon, je l'ai eu pas cher. Pas de mentir. Attends, j'ai loupé une offre. Elle est où? Ah non, elle est derrière. Ouais, j'ai fait Cherki, je l'ai revendu. J'ai fait beaucoup de training avec le Paris FC et ça a marché. Hein. N'hésite pas à recruter. Genre, c'est un jeu. La logique FM, c'est pas la même logique que la logique football. Hein. Toutes les fins de contrat qui ont de la valeur, faut que tu les signes. Ça, c'est. Ouais, on va dire oui pour en fait. Joao Pedro. Non, je suis pas fan du tout. Alors, j'ai combien là en budget? Ah, y'a que 30% des recettes. Ah, mais c'est des bâtards, mes dirigeants. C'est des fils de timps. Attends, faut que je.
faut que je règle ça là. Mais non. Oh, mes ventes elles vont servir à rien, putain. Igor Cassio, je vais voir ça. Ouais, je suis fatigué, punaise. J'ai la fatigante en moi, là. Ça bosse le Cyril ou... C'est comment en ce moment? Pas se prendre la tête, hop. Igor Cassio, fallait que je regarde. Attends, je regarde après. Tu vois, quand tu veux pas vendre, c'est ça. Merci, au revoir. Alors. Cassio. Igor, ce point-là. Trouve pas hein. Casio peut-être que je l'ai pas dans la partie aussi hein. Putain du coup je vais avoir que 5,5 millions, bon c'est pas grave, comme ça l'année prochaine ils vont me donner plus de budget. Oh, il est gourmand. Ouh, t'es gourmand toi. T'es gourmand. Alors. Voilà. Un peu trop gourmand, oh, putain. Ça... Il va les avoir en plus, y'a pas ça en Italie à droite. J'ai pas trouvé ça y est, le Igor Cassio. Pas de mentir. Ah, l'année prochaine, je pense que je vais avoir de l'argent l'année prochaine. C'est des bâtards parce que j'ai une balance de plus 44 millions. Je leur fais gagner d'oser, ces fils de lâche. Botafogo, c'est en Colombie ça. Non, c'est le Brésil. Ouais, non, j'ai pas les Brésiliens. Je crois que comme j'ai pas mis le championnat brésilien, j'ai pas tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça, putain, ça c'est un... En plus, il y a un ancien du Milan là-bas. Je suis choqué. Attends, par contre, là j'ai un petit peu d'argent. On peut le dépenser sereinement. Là. En défense, je vais... Donc du coup, là, je vais avoir une carence. Ouais, mais lui.
j'en ai combien des joueurs Rueux. Des joueurs Rueux, j'en ai combien j'en ai 1, 2, 3. Mais peut-être que Kessi sera bon. Ça fait combien de temps qu'il est... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Mais il faut combien d'années pour qu'il soit naturalisé lui? Genre, je comprends pas. D'un parti, il est au LA Galaxy. 4 jouets, 7 buts. Il a 21 ans. On regarde dans les jeunes. On va voir. Ouais non. Parce que moi j'ai mis que 5 lapins. Hein. Je pense que c'est pour ça que la base de données. Pourtant j'ai mis une base de données assez complète mais bon. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va. J'ai un peu d'argent là, mais on va attendre de. On va passer ce match déjà. Paqueta blessé, Paqueta il a quoi? 4 à 5 semaines quand même. Putain. 4 à 5 semaines, mais. Attends, mais. 4 à 5 semaines. 3 à 4 semaines. Il est suspendu pour un match, ça va. Mais je suis dans la merde. Ça va que c'est maintenant. Hein. Tail, j'ai cherché, je pense que ma base de données elle est un peu trop réduite, j'ai mis que 5 championnats. Ouais, est-ce une erreur? Est-ce... Dieu seul sait, hein, j'ai envie de dire. J'ai envie de rappeler Nascimento de près. À part si je trouve meilleur. Cyril, t'as mis quoi toi comme championnat dans ta partie? Parce que si t'as mis Brésil et tout ça, c'est normal que je trouve pas. Ah putain, je suis KO. En vrai, je pense que j'ai envie de faire une sieste. En général, FM il me requinque. Mais là, je suis éteint. Allez, première action pour moi. Mais mon stade il est pas rempli, je comprends pas. C'est pas bon ça. On dirait un club de seconde zone genre. C'est Milan quand même Cyril, non? Ils veulent pas marquer. J'ai compris, je vais perdre ce match. Mais j'ai mis étendu, mais après. Je crois que j'ai mis étendu, je suis même pas sûr. Ouais, je mets toujours. Faut qu'on parle du jeu, je mets toujours le max.
Parce que je suis comme toi, j'aime bien. Putain, Belotti, nique ta race. Mais des fois, genre, ça arrive que des gens sont dans telle partie, ils sont pas dans l'autre. Genre, surtout des Brésiliens et tout. Genre, moi j'ai un joueur, c'est Matheus Henrique. Il est dans toutes mes parties, sauf celle que j'ai faite avec le Paris MC, avec Espicel. Je l'ai avec Arsenal en ligne et c'est un monstre en plus. Il me fait des matchs. Ah mais là, ça fait pas trois fois cette mec. Ah non, c'est Attic. Tu vas mettre ton but, putain de merde. Voilà. Mais Belotti. Putain, c'est pas le même Belotti que Mister Voisin, je te le dis. Hein. Ton visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel. Quand tu veux t'appeler, je serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée. Je te vois derrière les vides teintées. Ce soir, je vais quitter le rinté. Oh, Castillejo, il a fait un. C'était le show Castillejo, là. Après, c'est genre moi, je trouve en vrai, Belotti, Donnarumma, c'est des joueurs, c'est les meilleurs joueurs à leur poste au monde. Dans la partie 1, je parle. Après, Belotti, c'est un des meilleurs. Genre, pas besoin d'acheter à son poste, tu vois. J'ai Tonali, milieu-centre. Milieu-centre, j'ai Tonali, caissier. Et j'ai Benacer. Les trois, ils sont trop forts. Alors peut-être c'est dans les milieux off, dans les trois milieux off où je vais. Mais moi mon but c'est vraiment d'acheter du lourd. Hein. Avec le Milan, hein, c'est acheter des joueurs incroyables. Hein. Genre là clairement ma cible de l'été prochain, si j'ai assez d'argent, c'est facile. Fati, c'est ma cible. Parce que, genre. Je pense qu'il va m'apporter un plus. Bon bah c'est pas mal ce petit match là, en tout cas on les fracasse bien. Hein. On va faire un bilan classement. Ah non mais là c'est la coupe. Ah ouais mais j'aurais dû mettre une équipe B là. Mais putain. Oh là là, quelle erreur. Quelle erreur de ma part, quelle erreur. On va enlever ceux qui sont susceptibles de se blesser, donc Belotti on va l'enlever, on va mettre Capani je pense. Non je suis quand même satisfait. Hop. On va mettre Capani, ouais Capani on va mettre. Et Maldini on va le mettre aussi. Hop. Tain, 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 tain. Tu, 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 piu, piu, piu. Tu, 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 tu. Eminem, il est tellement fort, putain.
Oh là. Ils ont failli me mettre un but, t'as dit donc, mais je reconnais. Les gars. On va les féliciter un peu, parce que comme ça, ça va les gonfler un bloc. J'aime pas, c'est... le Milan, ils ont beaucoup de relâchement. Éliminé